Eh bien, bonsoir. Bonsoir, X-Doomer. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Hop. Et que cette soirée s'annonce sous de bons auspices. J'espère que vous êtes bien installés, tranquillement. Soit avec le stream sur un deuxième écran, en train de faire autre chose, la petite routine du dimanche soir, ou alors carrément en mode attentif devant l'écran. Avec le thé ou le café. Hello Soliman Indy. Et bonsoir à toi. Alors je suis en train de finir la préparation. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il me reste d'autre à prévoir? D'ailleurs, bienvenue hein, Soliman Indy sur le live. Visiblement, tu découvres, vu que le truc dit first chat. Alors t'inquiète pas, hein, il y a X-Doomer qui a l'habitude. Il est gentil. Oh bah oui, ça va très bien, merci. Bien, bien, bien. Alors, je suis en train d'installer quelques petites VM pour préparer le stream. Bien entendu, c'est toujours un peu à la bourre. Mais on va commencer par introduire le sujet le temps que ça se termine. Normalement, ça ne devrait pas durer 2 heures. Alors, il se trouve que la semaine dernière, on avait fait du shell. Oh, pardon, je crois que j'ai un chat dans la gorge. L'avantage de prévoir le coup avant de tousser, c'est qu'on peut mute le micro. Alors, on va passer hop sur la vue bureau. On va gentiment faire disparaître le Virtual Machine Manager. Hop. Il se trouve que la semaine dernière, j'avais fait du game shell et j'ai l'impression que le shell, ça avait bien plu. Et je me suis dit que ce soir, un petit sujet qui pourrait être amusant, ce serait justement de voir comment personnaliser son shell et partager ensemble, pourquoi pas, quelques trucs et astuces. Ce que j'ai envie de faire, en fait, pour cette personnalisation, ce que je vais vouloir, c'est revoir un projet que j'ai. Qui est tout simplement un dépôt dans lequel je veux mettre toutes mes personnalisations. Donc mettre tout ce qui est justement bashrc et compagnie dans un repo Git et pouvoir l'installer tranquillement comme ça quand j'ai une nouvelle machine, quand j'installe un peu mon petit confort, ça se fait assez vite. Et en fait, il se trouve que la situation s'est présentée il n'y a pas très longtemps. Parce que entre guillemets, installé une nouvelle machine. Alors, pas si nouvelle que ça. En fait, c'est une machine existante, mais j'ai remplacé le disque dur pour mettre un nouveau système d'exploitation. Et je me suis dit, ah mince, j'ai tout mon petit confort à remettre. Il se trouve que mon dépôt, il est pas dans un état forcément comment dire? Bon, bref, en gros, il y a du ménage à faire, quoi. Ça me plaît pas forcément ce que. J'ai envie de dire, le truc est complètement à revoir, en fait. Là où avant, j'étais parti dans l'idée de pouvoir personnaliser le shell au niveau système, en fait, maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est juste de le personnaliser au niveau utilisateur. Avoir mon fichier de conf pour le shell, mais aussi rajouter, alors bah, justement, rajouter Tmux, pourquoi pas mon fichier de conf Vim, ce genre de choses-là. Donc, ce que je vais vouloir faire ce soir, c'est amorcer un peu ce nouveau virage. Au passage, eh ben, on pourra voir comment on arrive de un shell de base à un truc un petit peu sympa là, comme ça, avec de la couleur,
Ou alors quand je fais ça, hop, passer en rouge. Il y a des gens qui ont des trucs un petit peu plus custom que ça. Ça peut être l'occasion de les essayer. Si jamais vous avez, vous, un petit prompt bien custom, ça peut être l'occasion de me le montrer. Et pourquoi pas aussi d'aller voir ensemble des personnalisations de Temux. Bonsoir la Cabeza, j'espère que tu vas bien. Hello world à toi aussi. Un truc qui m'importe, c'est que il se trouve que j'utilise plusieurs systèmes d'exploitation. Alors le premier au quotidien, j'ai envie de dire, c'est Fedora. Et le deuxième. Oh bah écoute, ça va très bien la Cabeza. Ça va très bien. Juste un petit peu enrhumé, j'espère que ça posera pas de problème pour le stream. Je pense que vous devez sentir que j'ai le nez un peu encombré. Donc je disais, j'utilise plusieurs systèmes d'exploitation au quotidien. Le premier c'est Fedora. Et le deuxième, bah, c'est NetBSD. Donc je me suis installé une machine de test, une VM de test en NetBSD. Avec un petit. Avec tout ce qu'il faut. Mon RR Room. Donc voilà, j'ai quelques petits packages. Tiens, j'ai pas installé. Est-ce qu'il y aurait ScreenFetch quelque part? ScreenFetch, allez. Hop. Il y a un gros décalage entre le chat et le chat que j'affiche. Ah. Ouais, alors je suis pas sûr de pouvoir le changer dès ce soir. Hop. Je peux quand même jeter un œil. On va se remettre un instant en blabla. Donc pour toi, pour la Cabeza, c'est une latence classique. Alors le chat, je l'ai mis comment le chat? Je l'ai mis en place. Je l'ai mis en place via Streamlabs. Je l'ai mis en place via Streamlabs. Alors, je peux peut-être augmenter le nombre d'images par seconde. Je suis pas sûr que ça change beaucoup, mais. Allez, on va l'améliorer. On sait jamais sur un malentendu, ça peut passer. Ah ouais, quand même, 20 secondes de lag, ouais, c'est un peu. Hop. Alors là, j'ai perdu le truc. J'ai perdu le truc. Ah, 2 à 3 ici. Ok, en fait, quand on reparamètre le truc, ça vide le chat. Ok, bon. Bon. On verra bien si ça lag encore. Si ça lag encore beaucoup. Hop. Si ça lag encore beaucoup. Ok. Donc je m'affole pas si vous répondez pas tout de suite. Bon, ça va rendre le truc un peu moins dynamique, mais on fera avec. Hop là. Ok, bon c'est moyen. Je sais qu'il y a aussi NeoFetch. Hop là. Allez. D'accord. Ouais, il y a quand même une seconde et demie de latence. C'est pas négligeable hein, quand même. Faudra que je vois s'il n'y a pas un autre moyen pour afficher le chat facilement. Alors je crois qu'il y a des gens, ils vont carrément utiliser une partie, enfin ils vont mettre une fenêtre en scène carrément et utiliser cette fenêtre-là pour afficher le chat. Moi c'est vrai que je suis passé par Streamlabs et il doit y avoir un peu de lag. Ah, lui il est déjà un petit peu plus sympa. Bref, je suis pas venu ici pour montrer du NeoFetch. Où est-ce qu'il en est l'installation de. Alors il y en a un.
Il y a un Linux qui s'installe, hop. Ok, et l'autre qui termine. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, j'en ai plein d'autres des VM au cas où. Bref, où est-ce que j'en étais? Moi, à la base, ce que je voulais vous montrer, c'est que voilà, j'ai mon petit répertoire de projets là, avec déjà quelques petits trucs. J'ai normalement, si je fais un point bash rc, est-ce que j'ai des trucs? Si, j'ai quelques petits trucs, mais là, j'ai pas grand-chose. Dans mon profile.d, par contre, je dois avoir un truc. J'ai mon prompt.sh, voilà, avec pas mal de choses. Et donc, on va pouvoir aller, montrer tout ça. Et d'ailleurs, je vais peut-être le montrer hop, de ce côté-là, comme ça au moins. Non, VI, hop, voilà, comme ça au moins. On peut voir un certain nombre de choses. Alors parmi les choses que je veux modifier, c'est qu'en fait, j'ai un makefile. Et en fait, ce makefile, moi, il fait des CP et des chmod. Alors j'aurais pu utiliser la commande install d'ailleurs à la place. Ce sera pourquoi pas l'occasion de regarder ça. Mais en fait, ce que je m'étais dit, c'est que c'est un peu dommage que je fasse un install ou une copie, parce qu'en fait si je mets à jour mon dépôt, ça risque de me poser quelques soucis, parce qu'il va falloir que je relance en fait les commandes make, ce qui est un peu dommage. Donc l'idée, ça va être d'en profiter pour changer ce mode de fonctionnement là. J'avais vu quelqu'un qui avait créé son repo lui-même et qui avait décidé d'utiliser en fait une technique de lien symbolique. C'est-à-dire qu'en gros, il avait dans son repo donc tous ses fichiers rangés, et en fait son makefile, lui, il allait juste changer les liens symboliques. Voilà, c'est ça, il allait faire des liens symboliques. Tout à fait la cabeza. C'est exactement ça. Et comme ça, au moins, mettre à jour, c'est gitpool.r. Et comme ça, paf, tranquille. Ouais, hein, c'est pas con. Par contre, faut prévoir le fait que il y a des fichiers existants. Donc là, par exemple, si je fais un ls-la, j'ai plein de trucs. J'ai notamment, j'ai un .tmux.conf qui traîne. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, j'ai plein de choses qui traînent. Donc effectivement, faudra faire sans doute un bon vieux ln moins ln mince moins non c'est ln-snvf, si je me rappelle bien. Donc le moins s pour faire un lien symbolique. Le n, hop, si je me... Il est passé où? Hop, je suis allé trop vite. Le moins n pour ne pas déréférencer. Le f, il force de mémoire. Et le v, il est verbeux. V, verbose, et le f qui force. Comme ça, ça évite de faire un RM avant. Donc ça peut être une idée. Pourquoi est-ce que je passe par Git pour ça? Parce qu'en fait, je vais coller le truc qui est déjà collé sur GitHub. Et comme ça, en gros, je me cherche pas à comprendre. Je sais que c'est quelque part. Alors je pourrais avoir un serveur avec un repo Git, hein, au final. Peu importe que ce soit GitHub, GitLab, Bitbucket ou un autre. Et l'autre avantage, c'est que comme ça, je vais pouvoir mettre à jour mes configurations au fur et à mesure, et voir l'historisation. Bonsoir John Livingstone, j'espère que tu as passé un bon week-end. D'ailleurs, on peut voir, hein, là, si je fais un git status, hop, il n'y a rien, et si je fais un git log, on peut voir que j'ai déjà fait un certain nombre de choses. Voilà. Hop, alors. Tu
Tu te fais un orchestrateur en Python qui te fait la conf sur toutes tes machines via le... Ah oui, avec Python Fabric. Oui. Alors, j'avais discuté avec quelqu'un d'autre sur... je sais plus, sur Twitter ou Mastodon, je sais plus exactement. Quelqu'un qui avait utilisé Ansible pour ça aussi. C'est complètement valide. C'est complètement valide parce qu'après ton orchestrateur ou ton orchestrateur, peu importe qu'il s'agisse de Salt, Fabric, Ansible, Chef, peu importe, tu peux ensuite mettre ce code-là dans un dépôt de code source et gérer tout simplement ce code-là et voilà. Bon café, la cabeza. bien, 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 bien. Et aussi, en plus, le truc, c'est que l'autre souci que j'avais avec le dépôt existant, c'est que j'avais un truc common et un truc NetBSD, où justement j'avais des particularités par rapport à NetBSD. Si je remonte, c'est qu'en fait, j'allais customiser ETC profile. Et le répertoire, enfin le fichier bashrc directement dans USR PKG ETC. Et donc faut les droits route quoi. Donc c'est un peu casse-pied. Et ça honnêtement, je peux le gérer via Ansible sur mes machines. Donc plutôt que de le gérer ici, je vais plutôt le gérer via Ansible ou via un système de gestion de conf. Avec une version minimale, et puis moi, mon utilisateur, avec son petit confort, il aura ce qu'il faut. Bien. Ceci étant dit, un autre point que je voudrais soulever, et qui est aussi proposé, je suis tombé il n'y a pas très longtemps sur un autre truc sur GitHub. Je vais vous en faire part dans le chat, un autre lien qui est plutôt sympa. Qui s'appelle The Art of Command Line. Et ce qui est assez sympa, je vais vous le montrer ici. Hop, le voici, le voilà. Hop, hop là, voilà. Donc, qui a une traduction française qui s'appelle L'Art de la ligne de commande. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que je l'ai posté sur le chat, mais je ne l'ai pas posté sur le Discord. Puisque cette chaîne Twitch a un Discord. Hop, et on a un petit canal, les liens du live. Hop là, voilà. Discord que je vous invite à rejoindre, bien entendu, à l'occasion. Mais je crois que quelqu'un avait déjà posté les infos, je crois. Ouais, pour rejoindre le Discord de la chaîne. Donc vous avez le lien par là. Et puis sinon, point d'exclamation Discord. Contrôle W dans un shell, c'est génial, mais moins quand le shell est dans une console fournie par un navigateur web. Ah oui, eh oui. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. La bonne blague, c'est quand on utilise. Mince. Flûte, j'ai oublié le nom. La nouvelle interface web là, de contrôle, pas WebMin, mais l'autre truc. Ah oui, exemple les consoles SXI. Mais t'as aussi sous Linux maintenant, t'as Cockpit. Exactement, merci Xdoomer, Cockpit. Cockpit qui est très sympa. Hein. Cockpit qui est très sympa que je vous recommande. Quand vous voulez, par exemple, moi je m'en sers pas mal pour, enfin je m'en sers pas mal, je m'en sers pas trop, mais quand j'en ai besoin, c'est par exemple pour gérer des VM. Pour gérer des VM, il est pas mal. C'est un bon. Bon, toujours est-il que voilà, ce lien-là propose pas mal de choses. Et dans les liens dans les choses qu'il propose. Alors, bon, les notions de base, on les a vues la semaine dernière en faisant Game Shell. Mais il y a des trucs à un moment où justement. Hop. Alors, Git, paf, paf, paf. Voilà, c'est ça. Synchroniser au fichier de configuration.
T'inquiète pas, la cabeza, on n'a pas vraiment commencé. D'ailleurs, on va peut-être s'y mettre. Hop. Donc, c'est l'idée. Customisation du shell. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont déjà personnalisé leur prompt comme ça là? Parce qu'à l'origine, un prompt. Alors, si je vais chercher genre dans mon home lab, si je vous attrape genre, allez, elle est où? Ça, celle-ci. Hop. Je vais faire avec celle-là en attendant. Hop. Si elle veut bien. Allez, dépêche-toi. Voilà, tout doucement. Hop. Donc là, j'ai ma machine, une machine workstation dans mon home lab. Et là, vous pouvez voir que le prompt, bon, il casse pas trois pattes à un canard. D'ailleurs, est-ce que j'ai installé Git là-dessus? Ouais, Power là. Oh, bonsoir, Céman. C'est gentil de nous rejoindre. Je me demandais au bout de combien de temps quelqu'un allait parler de Powerline. Eh bien, nous disons donc moins de 30 minutes. Ça, c'est fait. Hop là! Donc, ce prompt-là, il casse pas de trois pattes à un canard. Oui, il y a des, y a des. Alors, pour être honnête, je suis complètement passé à côté de la hype ZSH. Je suis un utilisateur de Bash depuis le début. Enfin, depuis le début. Je vais pas dire depuis les débuts de Bash, mais depuis que j'ai découvert Linux, je n'utilise presque que Bash. Le seul autre shell qui va m'arriver d'utiliser de temps en temps, ce sera SH. Juste le temps d'installer Bash sur certains BSD. Les dernières versions de macOS sont passées à ZSH, mais en ce qui me concerne, alors je ne paramètre pas mon compte pour utiliser le bash du système macOS, parce que le bash de macOS est bloqué dans une vieille version, mais j'installe une version plus récente à côté en utilisant package source et pas Homebrew comme beaucoup le font. Bien, donc j'ai mon prompt. Et alors, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir dans les variables d'environnement. Il y a une variable d'environnement assez sympa. Et cette variable d'environnement, c'est. Alors, il y en a plein par défaut qui sont configurés par défaut sur cette CentOS. Mais une qu'on peut voir. On veut ça en banner. Oh là! Ce serait pas encore un recrawl, ça? Parce que je sais qu'il y a un Telnet qui permet d'avoir Star Wars en ASCII. Et je crois qu'il y en a un autre qui fait un recrawl en ASCII. Non, non, bien sûr. Bien sûr. Hop. C'est ça, c'est celui de Star Wars. Bref. Une variable d'environnement qui permet de personnaliser son prompt, c'est la variable d'environnement PS1. D'accord, ouais, le blinkandlight.nl, c'est Star Wars. Ok. Donc la variable s'appelle PS1 et on peut la personnaliser. Alors, j'avais à une époque un lien, mais de toute façon, on retrouve facilement sur un moteur de recherche. Il y a plein de personnalisations qui sont possibles. Ce que j'aurais aimé, hop là, c'est justement voir. Est-ce que depuis. Alors. DNF. Remarque, je suis même pas sûr d'avoir le sudo là-dessus. Hop là. Alors. DNF, repolist. Est-ce que j'ai installé genre. Si, j'ai EPL. Ok, cool. Search Powerline. Hop. Alors combien. Qu'est-ce qui va lui. Ah oui, bah oui, fatalement. Et donc on a Powerline pour. Ah, on a aussi pour Temux et pour Vim. Cool. Hop. Alors.
ma personnalisation à moi du prompt. Si jamais je vais lire common etc prompt.sh, hop, voilà. Vous voyez que mon prompt, il ressemble pas à la même chose. Voilà, on a une personnalisation qui est déjà un petit peu plus conséquente et qui, en plus, selon la raison pour laquelle je l'avais mis dans etc profile.d avec un if, c'est que c'est ce qui me permet, en fait, quand je fais un sudo moins i, justement de le passer en rouge quand je suis sur route. Et déjà, rien qu'en regardant là la variable d'environnement, on peut déjà se dire que là on sait que le anti/slash u c'est le nom d'utilisateur, le anti/slash h c'est le nom de la machine, et le anti/slash grand w c'est là où on est. Si je vais dans slash root, non pas slash root, mais si je vais dans slash etc par exemple, on voit que là il m'a mis le dernier répertoire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de... Hop là. Copy-link. Et qu'est-ce que j'ai fait du... Hop, le voilà. Oui, tout à fait. Bien vu pour la page de manuel, John Livingstone. Ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Et on a normalement toutes les valeurs. Voilà. Parfait. Ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Donc voilà, le username de l'utilisateur courant, juste le base name. Et on a plein d'autres choses. Hop. Alors, ce que je vais vouloir commencer à faire, c'est... Hop. Hop, alors, est-ce qu'elle démarre cette VM? Oui, elle démarre. Voilà, elle démarre. Ça, c'est cool. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir avoir les modifications que je vais faire dans mon projet, ici. Et puis ensuite, je vais aller les reporter directement dans ma petite VM de test. Alors, non merci. Hop, on va juste agrandir un peu la résolution. Parce que bon, 1024x768, ça va. Les années 90 sont appelées, elles veulent récupérer leur résolution. Et on va se faire un petit Full HD. Hop. Voilà, mieux. Voilà, tiens, on va en profiter, on va changer le fond d'écran, juste un petit instant. Je dois avouer que je suis pas convaincu par le fond d'écran de cette Fedora. Autant la précédente, la version précédente, ça m'emballait pas mal. Autant celle-ci. Hop. Est-ce qu'on a moyen de lui dire pas de fond d'écran? Non. Non. Bon. Allez hop, on va mettre celui-là. Hop là, voilà. Alors, est-ce que j'ai Git d'installer? J'ai Git d'installer, parfait. On va aller chercher le repo. Sur GitHub. Oula, alors, est-ce que j'avais mis un underscore sur mon... Non, j'avais pas mis. Hop là, voilà, parfait. Tiens, on va aller plutôt dans le document. Hop. Voilà. Voilà. Et
Est-ce que j'ai la commande make? Hop. Non. Allons-y. Voilà. Pendant qu'il s'installe, nous, on va commencer à faire quelques petites modifs. Alors, je suis tenté de vouloir tout effacer et repartir sur des bases saines. Qu'est-ce que vous en dites? Comme ça, on va pouvoir repartir sur des trucs sympas. Go from scratch. Ok. Alors. Eh ben, allons-y. Il y a peut-être éventuellement... alors. On va faire sauter le common. On va faire sauter le netBSD. Le makefile et la licence, on va les garder de toute façon. Hop. Ensuite. Alors déjà. La licence, visiblement, ça sent la BSD 3 close. Très bien. Ensuite. Ça, c'est très bien. Et le makefile. Alors. Poupouloupoupoum. Pour le moment, ce qu'on va faire, c'est juste... éventuellement, un truc... Un truc qu'on peut faire, c'est faire... Bon, on va tout faire sauter, en fait. Sauf le clean. Juste la première ligne du clean, je pense qu'elle devrait suffire. Hop, allez. Hop, voilà. Là, c'est fait. On revient plus en arrière. Ce qu'on va se faire, je pense qu'on va commencer par créer un répertoire qu'on va appeler shell, ou plutôt bash directement, bash. Et ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir mon bash rc et mon bash profile. Alors, par défaut, quand on a une Fedora, qu'est-ce qu'on a dans notre bash rc ou notre bash profile? Alors, déjà le bash rc, qu'est-ce qu'on a? On source le tc bash rc, on a des petits trucs. Alors, moi, je m'étais rajouté des trucs sympas. Genre façon. Ah oui, en plus. Alors, hop. Et hop. Alors. Voilà. Faudrait que je vois si j'ai moyen de. Hop. De conserver ce genre de personnalisation sur Tilex. Alors, où en étais-je, moi? Voilà, bash rc. Le petit conseil des familles, bah oui, bah oui. Allez, on va se baser là-dessus. Point bash rc dans... On va l'appeler dot... Ou... Ouais, on va l'appeler point bash rc quand même. Allez, hop. Et puis, on va faire pareil avec le bash profile. Voilà, comme ça, ils gardent leur nom de base. Ce sera un peu relou parce qu'il y a des points. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire mkdir vim. Question à la con, il vient d'où mon vim rc? Il vient d'où mon vim rc? Alors visiblement, j'ai un vim rc qui est bien rempli dans mon home. Donc allons-y. Et puis, on va se rajouter tmux et git.
Est-ce que j'ai un point git quelque part? Est-ce que mon... Alors j'ai un fichier point git config, effectivement. Il n'est pas très fourni, mais on pourra toujours le... Alors... Voilà. Donc a priori... On a déjà quelques trucs. Ce qu'on peut faire, c'est déjà committer tout ça. Remarque, si je fais un git commit moins a comme ça va pas le faire. Hop, voilà. Bon, pour l'instant, mes messages de commit sont pas franchement très 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 sympas, mais on va y venir. Alors, un truc que j'avais bien aimé dans The Art of the Command Line, c'est que il précisait bien un truc, c'est que les alias, les paramètres du shell et les fonctions fréquemment utilisées sont dans le point bash rc. Et dans le point bash profile, on met les variables d'environnement ainsi que les commandes à exécuter quand on se connecte. Donc je trouve ça assez sympa comme idée de se rappeler que point bash rc et point bash profile n'ont pas les mêmes usages. Hop. Alors. Qu'est-ce que j'avais moi dans mon énorme truc bizarroïde qui. Alors, ce qu'on peut peut-être faire, c'est faire ça. Là. Voilà. Et là, si je fais un less profile.d prompt. Hop. Donc, a priori, le point bash profile, c'est là où on va mettre les variables d'environnement. Pas les alias. Et là, on est dans le bash rc, donc on va commencer plutôt avec les alias. Ça, je suis pas sûr d'en avoir besoin dans l'immédiat. Quoique, je vais le. Ouais, je. De toute façon, on a une machine de test, ce sera fait pour. Alors. Les alias. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'à une époque, je maîtrisais pas le contrôle L. Donc, je m'étais fait un petit alias sympa. Pour nettoyer mon mon truc. Ça on va se les rajouter. Elles sont probablement présentes par défaut dans Fedora ou dans CentOS, disons que comme j'utilise du NetBSD aussi et que le bash est pas franchement là aussi, je pense que je vais vouloir redéfinir les alias classiques. Alors, est-ce que les alias sont vraiment indispensables? Alors, qu'est-ce que tu entends par indispensable? Ou qu'est-ce que tu veux... Quel est le sens de ta question? Ah oui, c'est très clairement pour gagner du temps. Ou pour utiliser j'ai envie de dire, pour profiter... Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ce que dit XDoomer, hein. C'est très clairement pour gagner du temps. Bon, a priori, j'ai pas énormément d'alias. Alors, visiblement, XDoomer, toi, ton alias, t'as un alias fétiche où tu redéfinis ls en ls-lsa. Alors.
J'avoue, les alias, c'est un peu à double tranchant. J'avais un collègue qui m'avait montré que potentiellement les alias pouvaient être vecteurs de vulnérabilité. Enfin, de vulnérabilité. J'entends par là que selon les options, selon comment c'était fait, on pouvait avoir des dangers. Néanmoins, il y a quelques trucs qui me semblent toujours sympas, c'est d'avoir notamment les moins i sur LSCP, enfin sur RM, CP et MV, parce que c'est toujours un petit garde-fou. Les autres alias vont plus être du confort, en fait. Typiquement, le moins moins color égale auto, c'est typiquement du confort. Et très clairement, enfin, c'est le but de ce soir, hein, c'est de faire du confort. Hein. Poum, 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 poum. Bien. On pourrait définir des fonctions en plus, mais là, pour le moment, je voudrais quand même jeter un œil. Parce que là, je suis dans le prompt.sh. Le bash RC, c'est celui-ci. J'ai rien mis dans cette machine-là qui soit custom énormément. Je sais que sur une autre machine, j'avais carrément remplacé LS par autre chose. Tiens, je vais vous le montrer. Vu que j'ai une machine ici. Hop là, reviens ici, la Fedora virtuelle qui va servir de. Hop là, voilà. Hop. Oui, effectivement, les fonctions, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. D'ailleurs, si tu as envie de partager un truc ou deux, je pense qu'on est tous preneurs. un truc que j'ai, qui m'arrive d'utiliser en remplacement à LS, c'est Exa. Exa, c'est assez sympa. Hop. Alors, si on peut essayer de. Voilà. Alors. Non. Si, c'est celui-là. Exa 4, non. Non. Alors, ça va être. Poupoupoupoum. User share doc, il a pas de page de manuel? Ah, c'est dommage. Mais ça, c'est assez sympa. Visiblement, on a. Hop là. Function, alors, et une MKCD. Ah oui, pratique le MKCD, oui, effectivement, pratique. J'aime beaucoup. Pour avoir uniquement les fichiers de doc. Ah ouais, c'est pas bête. Tiens, je vais te les piquer, tiens. Alors, on va faire custom aliases. Ce qu'on peut même faire, on peut même pousser le bouchon un peu plus loin, c'est que c'est parfois se faire des petits script shell et se les ajouter dedans. Mais pour le moment, déjà, hop, et on va pouvoir se faire. Tiens, allez, on va faire un alias RPMQD. Hop. Et RPM moins. Hop.
Allergique au distributeur PM. Oh, c'est pas non plus. Bonsoir Faléon, bienvenue sur le live. Tiens, la fonction MKCD, elle me botte bien. Je vais te la piquer sans vergogne. Allez, on va quand même faire un petit thanks. C'est fait pour. pop, 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 pom. Et puis l'autre aussi. Hop là, voilà. Hop là, voilà. Comme ça. Très bien. Donc ça, déjà, c'était un premier truc. Et ensuite, le bash profile, lui. Truc toujours pratique, hein, d'avoir un petit répertoire bin pour poser des trucs. Et là, par contre, dans celui-ci, on va pouvoir faire des petits. Alors, je vais laisser mon gros if, hop, au cas où. On va s'ajouter les exports des dates. Alors, pour ceux qui se posent la question de ce que ça donne, ce que ça apporte, ce genre de choses-là, si je fais ici un history. On peut voir que j'ai non seulement le numéro de la fonction, mais on voit que j'ai carrément la date et l'heure. Et si vous voulez voir la différence avec un history vanilla, voilà. Donc c'est parfois assez pratique. J'aurais même tendance à vouloir mettre ce genre de choses-là sur un système de type serveur. Vraiment obligatoire pour tout le monde. Pour une raison assez simple, c'est que comme ça, dès qu'on se met à aller regarder l'historique d'un utilisateur, on peut se dire, tiens, à telle heure et tel jour, il a fait ça. Lorsqu'on fait de la recherche, je vais pas dire pour trouver un coupable, mais supposons qu'on ait des doutes sur qui s'est connecté à une machine, sur qui a fait quoi. La date pourrait être présentée au format. Effectivement. Effectivement, non, tu vas pas être chieur à Haribo. C'est l'occasion de faire un petit, de faire quelques améliorations. Hein. Je le fais. Je vais dire un truc à la con, mais si j'avais envie d'être dans mon coin tout seul et de pas avoir de retour, de pas avoir de propositions, je le ferais pas en stream. Hein. Donc non, t'es pas un chieur. On va changer ça tout de suite. Hop, Y et D ici. Voilà. Toi, tu as quoi? Tu as un hist time format. Alors, le hist size et le hist file size, pourquoi j'y avais pas touché? Je sais plus pourquoi. Je crois que j'avais voulu être. Comment dire j'avais voulu avoir un historique qui soit assez long. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se les. Ça fait de gros historiques. Tiens, tu sais quoi? Pour le moment, je vais les rajouter, mais je vais les rajouter en commentaire. Par contre, moi, je vais rester plutôt sur le. Alors, attends. Ton histtime format, tu avais mis heure, minute, seconde. Il ressemble à quoi le mien? Si heure, minute, seconde, il y a un espace en fait. Il y a un espace. Moi, je vais rester sur l'espace. Mais après, c'est vraiment une question de préférence. Hop là. Allez. Pour l'instant, je vais me les mettre en commentaire et puis je testerai à l'occasion. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme variable d'environnement ou des trucs comme ça? Si, ça. Parce que, bon, je sais pas s'il y a des gens ici qui sont,
qui sont comment dire qui n'utilisent pas forcément Vim comme éditeur de texte. Vous avez le droit, hein, il n'y a pas de souci. Mais moi je suis très très Vim et tant qu'à faire, si je peux économiser une lettre, vous remarquez, hein, j'en ai tellement l'habitude, j'écris VI, j'écris pas Vim, j'écris VI. Ah tiens, EE, ça me dit rien du tout. Ça me dit rien du tout, EE. Je sais pas s'il est sous... Hop là. Oula. Easy Editor. Il s'appellerait pas comme ça directement sous... Le package, s'il y en a un pour Fedora, ça appellerait peut-être Easy Editor. Ouais, on va chercher Editor, tiens. Hop là. Truc de hack. Alors. Oh punaise. Hey, mais dès qu'on met des noms communs comme ça. C'est assez fou, hein. La quantité de... tu penses que c'est spécifique à FreeBSD? C'est probable. C'est probable. C'est probable. Alors. Ça, c'est pareil. Le pager, je pourrais faire... on pourrait faire un stream entier sur ce sujet. Le pager, c'est... J'aime beaucoup Most comme pager. Ceci étant, je pourrais probablement changer quelque chose et peut-être utiliser Less de façon un peu plus comment dire, un peu plus avancée. Pour vous montrer un peu le truc, dnf-y, on va installer Most. Ça va, c'est assez grand dans la VM. Au fait, vous arrivez à lire. Je vais peut-être ragrandir encore un peu. Non. Hop. Si je fais ça, que je la grossis encore un peu. Hop là. Et donc, on fait Madman. Jusque là, j'ai envie de dire, c'est la page de manuel, tout ce qui est plus classique. Et ce que j'aime beaucoup avec le pager most, c'est que si je fais pager égale most Madman, hop là. Madman, hop. Voilà. Tout de suite, il apparaît en couleur. Alors, je sais qu'il est possible de faire ça avec Less. Tiens d'ailleurs, ça pourrait être amusant. Hop. Si je fais pager égale less man man, ça, comme d'habitude. Mais si je fais... je crois que c'est moins grand R. Hein. Non plus. Alors j'avais une page, j'avais une anti-sèche. J'avais une anti-sèche pour un quelqu'un qui avait fait tout un article sur Less. Que je vais vous retrouver dans un instant. Si je le retrouve. C'était sur LinuxFR. Il y a quelqu'un qui avait vraiment fait des astuces. Alors, est-ce que je le retrouve? Si, voilà. Ça fait partie des choses. Hop. Je vais vous le filer sur... hop. Sur les liens, mais... le gars vous propose pas mal d'options pour vraiment tirer parti de Less de façon très, très efficace. Alors, j'ai encore perdu le chat. où est passé le chat? Hop, le chat est là. Voilà. Je vous le mets ici. Et je vais le mettre aussi sur le Discord.
Alors, voilà, les manes en couleur. Il faudrait plutôt utiliser ça. On va essayer, hein. Non? Alors. Moins F, S, R, X, I. Ah, non. Alors, c'est peut-être à cause des term caps qui sont pas... Alors, le truc, c'est que si je fais ça va peut-être pas suffire. Non plus. Peut-être, ouais, je vais peut-être aller taper. Bah, là, je fais juste des exports, Faléon. Mais je vais peut-être les refaire correctement. Hop. Hop là, oula. Oh, tiens, d'ailleurs, j'ai oublié l'export. Hop là. J'ai un petit coup de lag tout à coup. Je sais pas si c'est la VM ou si c'est carrément mon PC, mais de toute façon, la VM est pas sur la même machine. Hein. Hop. Et voilà. Alors là déjà il y a des trucs en plus. On voit qu'en dessous c'est un peu mieux, mais pas l'air si coloré que ça, hein. J'ai bien fait un export pager. Se refaire un export pager. Je suis pas sûr que ça change grand chose, mais si je fais un ça normalement il est déjà non. Bon, bah je suis un peu déçu de ces options de laisse. Je sais pas si c'est c'est un peu dommage là. Et si je Ouais, honnêtement, la différence face au Ok, j'ai de la couleur ici en bas, mais Most est quand même beaucoup plus coloré, je trouve. Pourquoi j'ai Attends, j'ai pas la même Voilà. On recommence. Voilà, comme ça j'ai à peu près la même taille de police. Ok, donc là j'ai most sans plus de trucs. Là j'ai un less normalement configuré un peu mieux, mais a priori c'est pas tout à fait ça. Bon bah je vais rester sur most, hein. Je vais rester sur most. Hop. À la limite, ce qu'on peut faire. Est-ce que ça vaut le coup de dire si Most n'est pas là, j'utilise Less? Je pense pas. Hein. Je
je pense pas. Hop. Non, pas cette machine-là. Hop là. On revient ici. Ok. De ce côté-là, normalement, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, ce que vous pouvez déjà commencer à faire... Et ensuite, ce qu'on peut commencer à faire, c'est... Donc... Alors j'ai toujours un trou de mémoire. Vous allez rire. Voilà. Target link name. Donc, la target, ce sera normalement tilde slash... Non, la target, ce sera point slash bash. L'astuce pour Ellen, le deuxième argument est optionnel. Ça ne peut donc être que la target. Ou l'inverse. Ah, tu vois, John Livingstone, tu vois, hein, hein. On a beau faire des LN régulièrement, il y a des fois... Alors, point slash bash slash point bash rc. Link name. Tilde slash point bash rc. Hop, et ensuite, je confonds tout le temps target et link dans le nommage. Je suis assez, je comprends, j'ai le même souci. Donc le fichier est le premier. Hop, allez, bash profile. Bien, c'est git push. Donc maintenant, on va pouvoir aller ici. Voilà. Et maintenant, si je fais juste make, il me fait juste le clean. Si je fais make install, ok. Donc là, a priori, ouais. Alors, il va falloir que je gère mieux l'emplacement. Hop, allez, c'est reparti. Ouais, de la room, ça peut être une... Bah non, alors, ça va dépendre où est-ce qu'on va mettre le repo git, où est-ce qu'il va être sur la machine. Il va pas forcément être obligatoirement dans de la room. Dans mon cas de figure, par exemple, ici, je suis dans un home nils project cfg files.
Alors que sur la machine de test, je suis juste allé cloner dans documents directement, je crois. Voilà, documents CFG Files. Donc PWD, ouais, ça peut être une idée. Ça peut être une idée. On peut le tenter comme ça. Donc dollar PWD. Attends, je suis en train de penser à un truc à la con là. Si, on a la variable. Voilà, il y a une variable d'environnement. Hop. Oula. Voilà. Dollar. Hop, PWD. Parfait. Ça m'a l'air mieux. Donc si maintenant, donc là, j'ai pas ressourcé mon shell. Pour le moment, j'ai les petits trucs. J'ai un nouveau shell de connexion, normalement. Et là, ok. Start stream, nv top, end stream. Donc ça, c'est cool. Donc hein, on a commencé les trucs, ça passe. Ce qu'on peut continuer de faire maintenant, c'est que... Alors, ils sont passés où? Donc, tri a aussi un moins A. Voilà. Et je me rends compte que on va peut-être aussi en profiter, hop, pour améliorer le clean-up. Et on fait étoile, slash, non, hop, étoile, étoile, slash, étoile, étoile, non, étoile, slash, point, voilà. Hop. Bon, il y a le commit d'edit message, mais bon. Ok, bon. Ça va, c'est propre maintenant. On va pouvoir continuer. Donc, je propose de passer à... Poum 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 poum. Qu'est-ce qui vous tente? On attaque par quoi? Parce que il nous reste quoi? Il nous reste une conf git, une conf tmux, une conf vim.
Vous avez encore des trucs à me raconter sur Bash, si certains veulent. Après, pourra toujours faire d'autres épisodes. L'occasion d'ailleurs de vous signaler que la semaine prochaine, il n'y aura pas de stream. Jeudi comme dimanche, je fais une petite pause. Donc là, on avait tout ce qui était les alias et les fonctions. Et là, on avait toutes les variables d'environnement. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que j'aurais peut-être pu mettre ça ailleurs. Alors, Foléon, qu'est-ce que tu nous proposes? Mais il faut avoir CCZ2 pour colorer les logs. Effectivement, CCZ2 est quand même assez sympa. Et alors, toi, tu voudrais le mettre ça dans le bashrc. Hop là. Alors. Hop là. Alors. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. C'est pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est vrai que CCZ2, j'apprécie beaucoup. Normalement, je l'ai installé. Hop là. Et pour vous montrer, alors DMESG. Alors je crois que DMESG. Ouais, DMESG est déjà coloré. Qu'est-ce qu'on peut avoir de sympa dans. Et de pas trop. Qu'est-ce qu'il y aurait de marrant que je peux montrer sans trop de soucis. Tiens, je vais le montrer plutôt sur l'autre machine. Hop. Remarque en sudo. Ouais, allez, hop. Hop. Voilà. C'est plutôt assez classe. D'ailleurs, ça me fait penser que... Ouais, c'est bon. Moins grand A, parfait. Et le less moins grand R qui permet justement de gérer aussi la couleur. Ça, c'est cool. Merci beaucoup, Faléon, hein, pour la fonction. Voilà, on va commiter ça tout de suite. Hop là. Bon. Je pense qu'on va passer à un autre morceau qui va nous occuper, ça va être Vim. Donc ce qu'on peut déjà faire, hop. On peut peut-être déjà faire, c'est faire ça. Point vimrc dans. Oups là, bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Bonne soirée à Haribo, c'est très gentil d'être passé en tout cas, merci encore. Hop, puis on va tout de suite s'occuper de tes mux. Oups là. Hop là. Comme ça, c'est fait. Git add make file. Hop. Comme ça, ça c'est géré. Alors voilà, moi à la base, je m'étais basé sur un exemple. Et je pense que je vais enlever ce genre de choses-là parce que last change, bon, hop. Ça, j'ai bien envie de faire sauter aussi, ça je m'en fiche.
Y a pas mal de choses. Alors, il y a des fois, je me dis que je repartirais bien depuis zéro pour mon Vimercé. Mais j'en ai pas le courage. J'en ai franchement pas le courage. Bon, a priori, il n'y a pas grand monde qui utilise Vim, donc de toute façon, ça va pas. On va juste faire. Hop là. Utilise Vim. Oui, j'utilise Vim. Du côté de Temux, je pense qu'il n'y aura pas énormément de choses non plus, parce qu'en gros, mon fichier de conf est quand même relativement. Il y a juste. Ouais, j'avais des trucs. Alors, je sais que c'est assez moche ce que je fais, mais j'ai été un gros utilisateur de screen pendant des années. Et mémoire musculaire, tout ça, tout ça. J'utilise CTRL A même dans Temux. Ah, pardon, t'as mis un slash mi. J'avais pas compris, John Livingstone. J'avais pas compris. Autant pour moi. Bon, côté Temux, voilà. Je sais que j'ai déjà fâché des gens comme ça. Hein. J'ai déjà fâché des gens. Il y en a un qui a vu que j'avais Temux, il a commencé à faire. Le 7-g préfixe, c'est pour redéfinir le préfixe. En fait, je unbind. En gros, par défaut, quand on utilise Temux, je veux dire le caractère de contrôle, en temps normal sous Temux, c'est CTRL-B. Parce que dans Screen, c'est CTRL-A. Donc les mecs qui ont créé Temux ont dit on va faire un truc différent. Et ils ont utilisé CTRL-B. Et moi, j'avais tellement l'habitude de Screen avant de passer à Temux. Que pour avoir le préfixe, j'ai switché sur le A plutôt que de passer sur le B. Donc je lui ai dit, vas-y, mets-moi ça en contrôle plutôt que le B. Et après, c'est pareil, bon, c'est du custom, hein, c'est du custom, c'est vraiment. C'est un truc du genre, bon, si je lance Temux là, ce que je peux faire, c'est par exemple, je fais CTRL A et tiret, et je me retrouve avec avec un split horizontal. Et si je fais CTRL A et que je fais pipe, enfin, je devrais pas dire pipe. Ceux qui, la semaine dernière, étaient présents au stream sur GameShell savent que je devrais plutôt utiliser tube pour être en bon français. Donc, si je fais CTRL A tube, et ben, ça me fait un split vertical. Enfin, une séparation verticale. Alors en fait, John Livingstone, je suis passé très vite parce que en gros mon Vimercé, il y a pas, il est assez énorme et en fait c'est pareil, il faudrait sans doute que je reparte from scratch. Donc là c'est pareil pour le coup, le Temux, je sais pas trop quoi en faire. Ouais, manger ce sera pas une mauvaise idée. De toute façon, je pense que le stream va pas non plus durer 3 heures, rassurez-vous. Si t'as une astuce pour que CTRL A dans Vim fasse l'incrémentation et ne soit pas intercepté par Screen. Ah! Alors j'ai bien une réponse, mais elle va pas te plaire. J'ai bien une réponse, mais elle va pas te plaire. Ce serait de redéfinir en fait la commande de contrôle au niveau de Temux. Enfin, pas au niveau de Temux, au niveau de screen.
si je retourne sur ma machine de test. Hop là, te revoilà. Hop là. Déjà. Si je fais make install. Ok. Alors, fatalement, voilà. Alors, contrôle A puis A. Ah, belle astuce, merci, merci Ossemand pour le partage. Mais non, pas anti-slash, enfin. Cube. Vim minimal, allez. Et là, en fait, le fait d'installer tous ces petits programmes, là, pendant que je teste mes choses, ce que je suis en train de me dire, c'est que je devrais peut-être me créer un ajout dans le makefile, où je me dis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire rpm... rpm deps. Et là, on va faire sudo dnf-y install, donc ccz2 vim enhanced most. Ça marche aussi quand tu inscris dans un tmux. Ah, bon à savoir. Hop là. Bien, bien, bien. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite... et ben ensuite... slash.bashrc. Voilà. Alias... Je dis alias pipegrep vim. Pipegrep. Rien du tout? Allez. J'aurais pas géré, j'aurais pas mis mes... Alors, point bash profile alias v égale vim. If which vim. Est-ce que ça marcherait si je fais un which vim? Ouais. Mon bash profile, ok. Mon bash RC. Je suis en train de me poser une question très bête. Est-ce que tout ça est exécutable? Nope. Et non, je ne l'ai toujours. Ah si, pourtant j'ai... Attends, j'ai les conseils. J'ai le nvtop. J'ai rm. J'ai le rm. J'ai le rpmqd. Mais... Alors... Pourquoi? Pourquoi? On va retourner du coup dans la conf de bash, hein, désolé. Là, on est bon. Je pense qu'en fait, il va falloir que je dégage mon alias. Voilà. Et que j'aille le mettre directement dans le bash RC. Puisque là, on est là que pour les exports, en fait. Donc...
Ce que je peux peut-être même faire. Ce que je peux peut-être même faire. Je pense que ce serait mieux. Hop. Parce que du coup, est-ce qu'il m'a pris. Est-ce qu'il m'a pris. Si je fais un echo dollar pager. Non, il m'a rien mis. Donc si je fais man-man. Pourtant. Pourtant, Most est installé. Donc visiblement, le bash profile, il n'est pas. Il n'est pas géré. Tu te poses une question alors. Alors John Livingstone, dans... c'est vrai qu'un simple git pull peut corrompre la machine. Pour peu que quelqu'un ait mis du... donc après, ça dépend comment dire, comment tu protèges ton repo git. Ça, j'ai envie de dire, peu importe d'où il vient, le repo git, là c'est une problématique de... C'est une problématique de sécurité un peu plus loin. En effet, alors on peut déplacer le problème, hein. Ça peut être GitHub, ça peut être GitLab, ça peut être Bitbucket, ça peut être je sais pas quel autre fournisseur qui propose des repos Git, ou ça peut être ton propre serveur. Donc c'est ça, il n'y a pas de solution infaillible. Par contre, j'adore. Pom, 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 pom. On va essayer quand même, on va le sourcer. Non, ça toujours. Ici, je source le point bash profile. Ah. Donc il faut que je dise au bash rc de toucher au bash profile. Alors c'est lequel qui vient en premier déjà? C'est le bash rc ou le bash profile? John Livingstone, je crois qu'on doit pouvoir faire ce genre de limitation-là, de limite-là. Alors, je ne sais pas si c'est si chez GitHub, tu as ce genre de choses. Profile puis bashrc. Alors, si c'est profile puis bashrc, si c'est profile puis bashrc. Alors, ETC profile, il nous fait quoi? Slash etc slash bashrc. J'avoue que là, c'est un petit peu plus.
J'ai pas de point profile par contre. Alors, c'est marrant, ce qui se passe, c'est que j'ai deux fichiers. J'ai mon point bash rc et j'ai mon point bash profile. Et visiblement, le point bash profile n'est pas sourcé en fait. Donc, je suis en train d'envisager de rajouter ça directement, de rajouter un source du point bash profile. Mais je suis surpris. Je pensais qu'il était sourcé au démarrage du shell. Si je relance un nouveau terminal, tu vois là j'ai pas de couleur. Alors que si je fais un grep, si je fais un git grep ps1, le profile n'est sourcé qu'au login. Ah, il n'est sourcé qu'au login. Donc là en gros je ferme ma session. Hop là. Donc ça, à mon avis, ça va pas suffire. Non, ça suffit pas. Par contre, hop, je log out. Oui, c'est une VM, tout à fait. Heureusement, parce que si je devais me déloguer alors que je suis en plein stream. Nope. Nope, nope, nope. Donc le point bash profile. Sur TTY2, il doit fonctionner. Pop, pop, pop. Alors. Hop là. Effectivement, il fonctionne. Ok. Tu peux demander à être... Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, c'est pas celui-ci, c'est celui-là. Voilà. Hop. Alors. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. J'adore. Alors. Scrolling commande. Voilà, run commande as login shell. Je pense que c'est ça. Hop. Bon, on va essayer. Si je fais ça. Ouais, voilà, c'est ça. Donc effectivement, c'est au login. Une fois seulement au login. Parfait. Donc si je fais un alias, là normalement je dois avoir mon alias, voilà, vie égale vim. Ok, ça c'est bon. On a. Parfait. Parfait. Allez, hop. Mais non. Voilà. Très bien. Alors, où est-ce que j'en étais, moi, avec toutes ces histoires? J'en étais qu'en fait, j'ai fait des modifs. Alors. Donc au final, ça, on va le laisser où il est. Ça, par contre, on va le garder. Alors. Et on va lui dire
Et non. Bon bah. Allez, un moment. Ok, très bien. Très bien. Là, on est pas mal. On est pas mal. On a déjà pu customiser la chose. On a un makefile qui me permet de gérer l'installation des principaux fichiers de conf. Après, tout ça, ça va être de la personnalisation de conf au fur et à mesure. Mais il me manque un truc. Il me manque un truc. Je me suis pas occupé de Git. Point git config. Voilà. Donc en toute logique, ici... Voilà. Parfait. Génial. Tiens, et le point d'une. Ok, ça c'est cool, c'est très cool. Ce qu'on peut rajouter aussi. Là, je suis en train de vous montrer un htop. Figurez-vous que htop, lui, a aussi son fichier de conf. Alors, la question, c'est où est son fichier de conf? S'il n'est pas dans point config. Je me demande si c'est pas htop-rc. Voilà. Point config htop-rc. Donc, là, ça va être un petit peu plus... Un petit peu plus coton. Alors, ce qu'on va peut-être faire, c'est qu'on est dans... Bon, on va retourner dans... Hop. Non, c'était pas là que je voulais aller, c'est pas grave. On a dit project CFG files. Hop. Une fois que ça c'est fait, ben. Hop. Ensuite. Ce qu'on va faire un mkdir moins VP dollar home et il était où
.config htop. Voilà. Et ensuite, on fait... On va aller chercher htop. Et le fichier s'appelle htop.rc. Voilà, et on va pouvoir le mettre dans tilde slash point config htop rc. Voilà. Et on rajoute alors par contre ce que je n'ai pas forcément pensé c'est ajouter dans les dépendances hop là htop Et alors, ce que je peux vérifier maintenant ici, c'est que je me fais un git pull-r. Voilà. Si je fais un make... donc c'est make rpm... On va se mettre là. Make rpm-deps. Voilà, donc il m'installe htop. Ensuite, make install. Et j'ai donc mon htop avec déjà les petites options qui vont bien. Nickel. Ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Mais on est 19 là. Vous êtes nombreux ce soir. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup hein, pour votre présence. J'espère que ce que vous voyez vous intéresse. Alors. Voilà. Allez. Alors, si je fais un tri moins A. Je me demande si dans la... Je me demande si dans tri, il n'y aurait pas moyen... d'avoir un truc du genre non mais vas-y t'occupe pas des repos du répertoire .git. All files are printed. OK. Moins p pattern. Non. Ignore case. Non. Do not list those files that match the wildcard pattern. Ah! Donc si je fais un tri... si je fais un tri moins a moins i.git... Ah! Alors, Phaléon. Voyons voir ça. Voyons voir ça. Hop. Alors, ce fichier est... Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant là-dessus? On va comparer, hein, de toute façon, ce que je peux faire tout de suite. Alors.
Hop. Allez. Voilà. Et je relance H-top. Oh! Oh, pas mal. Ah, d'accord. Il fait un affichage aussi avec le tri. Ouais. Alors ça, j'ai essayé. J'ai essayé. J'en suis revenu. C'est sympa. C'est sympa, mais j'en suis revenu parce que top est utilisé parfois comme alternative. J'ai envie de dire bien souvent comme alternative à... Donc H-top est utilisé comme alternative à top. Et ce qui est intéressant quand même, c'est de voir quand tu as... Quand tu as les processus qui viennent manger un peu plus sur le CPU. Par contre, alors si je compare avec, je vais me mettre ici. Si je fais, alors je vais peut-être, hop, on va limiter un peu, on va se mettre là comme ça. Voilà, si je lance un H-top. Donc ça, c'est mon bon vieux H-top. Et si on compare avec celui que nous montre Phaléon. Alors, il y a pas mal de choses à ce niveau-là. Ah, amusant. Amusant, il nous met... ok. Puis, ok. Hein, j'avoue, c'est pas mal. J'aime bien. J'aime bien. Alors maintenant, ce qu'on peut peut-être faire, c'est faire... on peut quitter, puis faire... Voilà. On peut effectivement faire un mix des deux configs. Je suis assez d'accord avec toi, Faléon, et c'est bien ce que j'ai l'intention de faire. Je pense qu'on... On va... ce sera le dernier truc de ce stream. Alors, tiens, lui... Ah oui, d'accord, il va changer carrément les left meters et tout ça. Alors ce que je vais faire, je vais être goré, je vais faire, on va reprendre, hop. Hop, voilà. Ensuite, je lance mon petit H-top. Et je vais rajouter, moi, ce qui me... Je vais enlever ce qui me botte. Alors, je veux pas du TreeView. Je compte laisser... Ouais, allez. Ça, je veux... Hop. Et au niveau des couleurs, moi je vais tenter le Broken Grey. Voilà. Là ça m'a l'air pas mal. J'aimerais bien que tu indiques le repo GitHub de ce qui a été fait dans le stream. Ah oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr, complètement. Complètement. Alors, le repo GitHub, je vais aller vous le présenter. Hop. Alors, peut-être qu'avant,
Hop, ouais, non, je vais le faire maintenant. Hop là, voilà. Tout simplement, ahpnils cfg files. Hop. Et je vais vous le poster sur Twitch, bien entendu. Mais aussi dans les liens du live sur Discord. Et voici. Hop. Voilà. Comment ça, il a segfault? Ah, merci pour le follow, Fabius. Merci beaucoup à toi. C'est très gentil. Bien, bien, bien. Donc là, on a un joli, fichier de conf htop. Ah, tiens, j'avais aussi un... j'avais aussi un... Comment dire? Un BPY top qui tournait sur, sur Marvin. Hop là. Alors, ce qu'on va pouvoir faire... question à la con d'ailleurs, Phaléon. C'est, ah, config récupéré sur le net. Ok, donc t'as pas peut-être de source de la, de la config. J'en ai tout moi. Point config htop htop rc dans tilde slash. Non, non, point slash htop htop rc. Hop, et voilà. Donc moi, j'étais en train de me dire aussi que ça, ça me plaît bien. Ça, ça me plaît bien. Je pense que je vais me l'ajouter en alias. Hop, voilà. Bien, voilà. Et bah finalement, on aura fait des choses en 2 heures de stream. Hein. On va se mettre... hop là. Voilà, on va se remettre comme ça. Bah, j'espère que stream vous a plu. Je suis assez content parce que bah, mine de rien on a été nombreux pour un, j'ai envie de dire pour un week-end de pont à suivre les aventures de la customisation du shell et de se faire un petit repo avec nos confs, notre petit confort qui devient facile comme ça à transporter d'une machine à l'autre. Bah merci à toi HWADDR d'avoir suivi le stream. Merci aussi Phaléon, Xdoomer, Eusément et tous les autres et ceux qui n'ont pas qui n'ont pas osé parler, mais il n'y a pas de souci, vous regardez, c'est déjà super chouette. Comme je disais à un moment un peu plus tôt pendant le stream, il n'y aura pas de stream dans la semaine à venir, donc jeudi et dimanche qui vont venir, il n'y aura pas de stream. Normalement, je devrais revenir la semaine d'après. Je fais une petite pause, on va dire, petite pause de vacances. Alors, c'est un peu tard pour les vacances de, j'ai envie de dire, de la Toussaint, mais voilà. Voilà. Moi je vous donne rendez-vous donc dans 2 semaines en fait. D'ici là je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine à venir. Et puis on se retrouvera d'ici là. Allez, bye bye, à bientôt.